Alors, bonjour à tous, comment allez-vous? Bon alors, ça fait un moment. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison de Nofro, c'est-à-dire la saison des voisins en Éthiopie. Donc, qu'est-ce que c'est la saison de Nofro? En fait, tous les voisins, le jour de cette saison-là, eh bien, tous les voisins vont se réunir et on va sortir toutes les graines qu'on a, qui sont faites pour être cuites et mangées comme ça. Donc ça va être le maïs, les pois, les pois chiches, les pois, les petits pois, je veux dire. On va recommencer, hein. du fève, ça peut être donc de l'haricot surtout, l'haricot rouge, l'haricot blanc, plein d'autres variétés d'haricots qu'on a, nous, j'ai oublié leur nom. Et de toute façon, je ne connais pas les noms en français. Et puis bien sûr du millet, etc. Donc, à partir de là, on va tous choisir un endroit approprié dehors pour faire cuire ces aliments. Donc, on va choisir donc un endroit le plus près possible de toutes les maisons, de toutes les personnes qui participent. Et bien sûr, on va choisir à l'ombre. C'est-à-dire, la saison de Nofro se passe toujours pendant la saison de l'été. Donc, il fait extrêmement chaud. Et donc, vu qu'on va passer toute la journée à faire cuire donc tous les animaux-là, il faut choisir un endroit à l'ombre. Et donc, on va choisir, si on a la chance d'avoir un très grand arbre, on va choisir ce grand arbre et on va s'installer là, quoi. Tout le monde va amener donc des matériaux. Pour faire cuire donc tous ces aliments-là, ça fait plein de dust, voilà. Et bien sûr aussi de quoi faire cuire. Donc ça va être plein de bois, du couvette, c'est-à-dire la boue des vaches qui va cuire. C'est un combustible très 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 fort et très utilisé en Éthiopie. Et à partir de là, en fait, chaque famille va surveiller donc la cuisson. Et donc, principalement, c'est les enfants qu'on va s'occuper. Mais bon, comme c'est énormément d'aliments, en général, on a du mal à le mélanger. Donc, c'est les mamans qui vont venir le mélanger et tout. Donc, ça prend pratiquement toute la journée à faire cuire tout cela. À partir de là, le soir, donc, on va aménager un endroit dehors, bien sûr. Un endroit vraiment hyper confortable. Qu'on peut faire du feu et bien sûr qu'il y ait assez d'espace pour accueillir donc tous les voisins, hein. Tous les voisins, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, enfin tout ce que tu veux, quoi, tout le monde, toutes les membres de la famille, d'une famille. Et donc, c'est vraiment quelque chose de euphorique. On adore cette saison-là parce que, donc, on va d'abord, c'est. Ce côté-là où on va vraiment tous se réunir et on va manger comme une seule même famille, ça c'est vraiment, on adore. Et surtout, pendant cette saison-là, les enfants, on a un très 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 grand cadeau, on va dire. Et ben, c'est des histoires. Bien sûr, la plupart du temps, on a nos familles qui nous racontent des histoires comme ça, mais pas tout le temps. Mais là, pendant cette saison-là, en fait, toutes les personnes âgées, on va dire, en tout cas celles qui sont en capacité de raconter des histoires, ça peut être les parents, mais en général les grands-parents, les personnes âgées, quoi, elles vont nous raconter des histoires qui peuvent être des histoires inventées, hein, complètement. Donc voilà. Ou des histoires sur elles-mêmes, les choses qu'elles ont vécues auparavant, à leur époque. Et, ou bien des histoires qu'ils ont entendues véridiques, c'est-à-dire sur l'histoire d'Éthiopie, ça peut être aussi. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais entendu, voilà. Et du coup, on est complètement dans un état de, voilà. Et en plus, c'est l'occasion donc de dormir dehors, à la belle étoile, devant le feu qu'on aura fabriqué dehors, et donc devant de belles histoires qu'on n'en a jamais entendues auparavant. Donc, on adore, on adore. Et même les adultes aussi, en fait, ils aiment cela parce que tout d'abord, c'est le côté vraiment de s'unir tous ensemble et de manger, voilà, comme une seule même famille. Ça, c'est, voilà, c'est adoré que tu sois grand ou petit. Mais surtout parce que pendant ces saisons-là, vu qu'on a, pendant toute la journée, on a préparé tous ces aliments-là que tout le monde a amenés, en fait, en une seule nuit, on ne peut pas le manger. Il faut en général 2-3 jours pour finir. Et du coup, comme il y a déjà plein de sortes d'animaux, du millet, du maïs, enfin j'ai déjà dit haricots, tout ça, c'est plus ou moins varié en fait. C'est plus ou moins
Il y a plus ou moins tout en fait qu'il faut. Du coup, les femmes n'ont pas besoin de cuisiner. Pendant 2-3 jours, elles ne cuisinent pas du tout, tant qu'elles sont au repos. Et ben voilà quoi. Et bon, et voilà, les femmes, comme tout le monde quoi, vraiment, on est tranquille. Et on passe juste des moments euphoriques. Et on apprend plein de choses. Et en général, voilà, c'est la plupart des histoires en Éthiopie, on nous raconte, mais il y a toujours une sorte de morale. Du coup, il a une visée éducative en fait pour les enfants. D'abord, si je vais te raconter ma vie, moi à l'époque, on va essayer aussi de comparer notre vie à nous à celle de nos grands-parents, etc. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui s'est amélioré ou pas? Et puis à travers ces morales, mais aussi c'est vraiment éduquer et faire en sorte à ce que l'enfant là qui t'écoute puisse incorporer en fait ces histoires-là. Donc voilà. Voilà pour la saison des voisins en Éthiopie. Salut, salut!